Eh bien bonjour à tous, c'est Jessoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas moi ça roule, comme d'hab d'abord, parce que moi ça roule tout le temps. Alors petit gameplay aujourd'hui sur Modern Warfare 3. Alors comme d'hab, je vais essayer, je me demande si je vous ferai pas des gameplays sur d'autres Call of, parce qu'en fait j'en ai pas mal, j'ai tous les Call of sauf le code 4 que je n'arrive pas à retrouver. J'essaye pour le moment de le trouver en occas, mais il n'y a pas moyen, je sais pas, faut croire que les gens ne se séparent pas facilement de celui-là. Enfin soit, c'est pas fort important, si jamais quelqu'un a une idée, peut-être qu'il pourrait me le dire en commentaire, ou s'il pourrait le trouver. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'essaye d'aller sur eBay, peut-être que je le trouverai plus facilement. Alors, petit gameplay au modèle. Alors, quand on prend le modèle, il faut avoir un peu de courage, surtout quand on n'a pas la compétence dégâts. D'ailleurs, au passage, on va parler un petit peu de gameplay là, parce que je vais me faire fumer par une arme vraiment bizarre. D'ailleurs, elle fait un bruit tout à fait particulier. Donc, j'avais vu le mec dans le fond, je me suis dit... D'ailleurs, le carreau n'était pas cassé, j'étais un peu con. Et là, je me fais fumer par ce truc. Alors, c'est l'espèce de lance-grenade automatique avec une visée vraiment futuriste. Alors, je sais pas si vous jouez avec ça. Moi, c'est la première fois que je le crois sur le multi. Et franchement, je n'ai jamais été vraiment tenté d'essayer les lance-grenades. Alors, je dois pas avoir. Je crois que si j'ai 5 kills avec des lance-grenades, c'est beaucoup. J'ai énormément de kills au fusil à pompe. Et je commence à avoir énormément de kills au fusil snipe. Mais ça, je vous parlerai vers la fin de la vidéo. Alors, je sais pas si ce gars-là jouait tout le temps avec ça, avec ce lance-grenade. D'ailleurs, je ne connais pas le nom. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais j'ai vraiment envie de le sortir, pas pour essayer de killer les mecs, mais je me demande si ça fonctionne pas sur les hélicos ou sur l'aviation ou tout ce qui se trouve dans le ciel et qui nous fait entre guillemets je sens que je vais une fois le sortir, ce sera peut-être une partie un peu où j'aurai envie de déconner un petit peu. Je sens que je vais le sortir et je vais essayer ça. Alors, vous avez vu, hein, donc quand vous sortez le modèle, il n'y a rien à faire, hein, il faut sortir les hitmarkers qui vont avec. Il n'y a pas le choix. Alors, je vais vous afficher ma classe. Maintenant, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus parce que je sais que vous êtes friand de tout ça. Alors, on joue avec le modèle. Alors, comme arme secondaire, on joue avec la MP9, comme d'hab, malgré que je crois que je vais pas la sortir. Ah si, dans ce gameplay-ci, je vais la sortir quelques fois. Je dis des bêtises. Alors, on joue au couteau lancé et petite variante. Pour le moment, j'essaie le radar portatif. D'ailleurs, qui va m'aider plusieurs fois dans la partie. Et c'est plutôt intéressant. Alors comme à tout, j'ai conditions extrêmes, assassin et visée solide, le tout en pro. En killstreak d'assaut, je joue avec le Preda, le bombardement et l'hélico A7, qui sont mes killstreaks favoris quand je joue aux pompes. Et comme série de mort, j'ai dopage. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai regardé il y a pas longtemps. En fait, je suis beaucoup les youtubeurs, je regarde beaucoup de vidéos. En général, tard le soir, quand ma copine regarde des choses à la télé qui ne m'intéressent pas, je mets mon PC portable sur les genoux et je regarde des vidéos de youtubeurs. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, et c'est pas la première fois que ça arrive, j'ai vu un youtubeur qui jouait aux pompes et qui n'avait pas la compétence. Il jouait au modèle. Et je sais pas comment ça se fait, mais lui arrive à aligner les mecs à une distance pas croyable. Et moi, vous allez le voir dans ce gameplay, d'ailleurs, je ne sais pas la première fois que je poste un gameplay au modèle, et j'ai énormément de. Dur de killer les mecs à une certaine distance. Alors quand je vois un mec qui arrive à killer un mec à une distance que même à la mitraillette à la limite on a dur à la voir et qui le kill en one shot, je comprends pas pourquoi. Des fois je me dis que c'est une distance qui est entre guillemets pas croyable et je me demande souvent à quoi c'est dû. Alors si c'est juste dû à une question de chance, évidemment je n'en ai pas beaucoup. Si j'avais de la chance je le saurais et vous le sauriez aussi, je ne louperais pas tous mes prédateurs. Et, ou alors si c'est juste dû à la connexion, parce que malgré tout, d'ailleurs là au passage, regardez, j'avais malheureusement perdu quelques kills à cause de l'aviation. Et là je sais pas ce qui va se passer, d'ailleurs je recroise mon collègue là, vous voyez, celui qui a essayé de me tuer tantôt, qui a réussi à me tuer, pardon, avec ce fameux lance-grenade, au 1 contre 1, il a pas réussi à m'avoir avec ce truc, à mon avis c'est uniquement un lance-grenade fait pour les longues distances. Et là je parlais, je vais aller sortir la MP9, puis regardez, elle va bien m'aider, parce que je devais recharger mon modèle. Mais je voyais bien qu'on allait perdre le point, donc je me dis j'avais pas le temps et je vais vite faire un double contournement qui va plutôt bien payer. D'ailleurs on va suivre mon missile Predator parce que j'ai une bonne petite chose à vous montrer. Moi qui dope tous mes Predators dans toutes mes parties, on va continuer. Je vais continuer à vous parler sur la connexion que je vous parle. Parce que franchement je me demande si... Moi perso je trouve que j'ai une bonne connexion. Donc je sais pas si vous avez des avis là-dessus. Allez on regarde ça. On regarde mon petit Predator. Regardez bien. Et un petit triple, waouh! Enfin un prédateur réussi. Ah, ça fait super plaisir. Un triple feed. Eh, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, allez, on revient sur mon problème de connexion. Je sais pas si vous avez le même cas. Si vous one-shotez à une distance entre guillemets pas très raisonnable pour un fusil à pompe, mais moi ça me laisse vraiment perplexe.
Bon, c'est vrai qu'à force d'habitude, vous allez le voir dans la partie, hein, je fais souvent un coup de pompe et si ça passe pas, ben, je lance directement un deuxième, voire un troisième. Je me laisse pas démonter, c'est vraiment une de mes armes préférées. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de jouer aux pompes. D'ailleurs, je crois que je vais avoir un passage d'ici. D'ailleurs, là, l'hélico vient de se faire détruire. Allez, regardez. Ils sont tous en train d'essayer de détruire les hélicos. Et moi, évidemment, je vais me faire plaisir. Allez, triple feed au fusil à pompe. Au modèle, ça fait plaisir. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de mérite parce qu'ils étaient tous en train de regarder en l'air. Mais bon, c'est pas grave. C'est une triple feed quand même. Alors, je vais vous parler d'autre chose. D'abord, au milieu du gameplay, avant que je n'oublie, je pensais le faire à la fin du gameplay, mais je sais, en regardant mes statistiques, vous regardez pas, un petit coup de lancer. Oh, joli. Là, il faudrait peut-être que j'augmente ma sensi pour faire ça. Allez. J'ai remarqué au passage que vous regardiez pas toujours la fin des vidéos. Alors, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Parce qu'on vient de passer les 100 abonnés, donc on est... il n'y a pas si longtemps que ça. Et personnellement, moi, ça me fait super plaisir. Alors je les remercie maintenant, comme ça je suis sûr que tout le monde l'a entendu, ou en tout cas une grosse partie d'entre vous. Alors il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de temps libre, enfin j'ai eu toute une après-midi de libre, et je me suis allumé la console, et je me suis dit, bah, je vais une fois changer de gameplay, regardez là, il faut plusieurs balles pour l'avoir, enfin évidemment j'ai loupé deux fois, mais il a quand même fallu deux cartouches pour le dégommer, rien à faire, moi j'ai souvent le cas quand je joue au modèle, et malgré tous mes efforts... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Tous mes efforts pour augmenter ma connexion en débranchant mon PC, toute connexion internet, enfin tout, ça ne change pas. Enfin bon, soit on va zapper ça. Je vais vous parler de ma journée que j'ai fait il y a deux jours. J'avais toute l'après-midi libre et je me suis dit, bah, écoute, on va jouer avec une arme auquel je ne joue pratiquement jamais. Et je me suis mis au snipe. Alors ne rigolez pas, le snipe et moi c'est pas trop, c'était pas trop mon dada. Et bien franchement, donc comme je suis niveau 80 et que je passe mes prestiges, d'ailleurs un petit jump ça fait super plaisir. J'adore faire des petits jump shots comme ça. Et comme je suis niveau 80 et que je ne passe plus mes prestiges, j'ai le MSR. J'avais hésité à prendre le MSR ou le Barrett, mais après ma première partie au Barrett, je me suis dit c'est pas possible, je sais pas jouer avec cette arme. Parce que c'est pas qu'elle n'est pas efficace, mais c'est qu'on est vraiment trop lourd. On n'avance pas avec cette arme, et moi personnellement, qui ne sais pas rester en place, c'est incroyable. D'ailleurs, avec le snipe, je me suis dit, je vais essayer de me caler à un endroit et essayer de voir ce que ça pourrait donner en me posant un petit peu, mais rien à faire, je rush comme un malade, que ce soit au snipe, au pompe, à la mitraillette, je fais que rusher, je fais que courir partout. Et je voulais savoir si vous étiez intéressé par voir, par me voir jouer à un nouveau style de jeu, donc de jouer au snipe. Alors, j'ai fait toute ma journée, toute mon après-midi à jouer au snipe. Je n'ai fait que ça, du only snipe. D'ailleurs, j'ai fait une classe avec le snipe en arme principale et en deuxième arme, j'ai mis le stinger. D'ailleurs, ça m'a joué des tours. Regardez là, au passage, regardez, un coup, deux coups, trois coups pour le killer. Il faut quand même y aller. Hein. Et j'ai mis en deuxième arme le Stinger, exprès pour pas utiliser une mitraillette ou avoir la facilité de switcher sur la deuxième arme et de finir peut-être un hitmarker ou bien soit en difficulté. Donc j'ai vraiment fait tout pour jouer qu'au snipe. D'ailleurs ça m'a joué des tours parce que par réflexe au début, je dois vous avouer qu'on appuie quand même sur le bouton et hop on passe à son arme principale qui se retrouvait le Stinger et qui est inutile face à deux ou trois personnes devant vous. Et alors je voudrais un peu votre avis, parce que évidemment c'est loin d'être au niveau de certains autres youtubeurs qui sont évidemment connus et reconnus pour ça. Et, mais franchement je pense pas que j'étais si mauvais que ça, et j'ai même parfois fait, en fait j'ai même eu l'impression de me prendre des fois pour WarTech. c'est peut-être un peu déconné, mais quand vous mettez, je sais pas moi, vous mettez un quickscope puis un deuxième, puis vous mettez un noscope... en faisant une belle petite gifle, bah, c'est vraiment super kiffant. Et on a vraiment l'impression de se prendre pour Watek. Et c'est vraiment, 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 vraiment plaisant. Et pour ça, je voudrais avoir votre avis. En fait, j'ai trouvé vraiment des avantages à jouer au snipe. D'ailleurs, la partie va se terminer. Et je vais continuer à parler. Je vais vous mettre des petits bonus tantôt. Parce que j'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. J'ai trouvé vraiment des avantages majeurs à jouer au snipe. Et alors, je joue énormément aux pompes, ça vous le savez tous. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des désavantages à jouer avec cette arme. Alors, je parle évidemment de la portée. Alors, la portée qui est vraiment nulle. En tout cas, pour moi, elle est vraiment nulle. Alors, forcément, comparé au snipe et sa portée limitée, il faut pas... il fait pas le poids, hein, à courte portée, le pompe. Hein. Même si je l'adore, c'est pas super facile. Et des fois, quand je me prends, quand je dois mettre trois cartouches à un gars, ben,
Franchement, des fois, on se dit avec le snipe, on aurait peut-être plus de chance. Et quand on sait un petit peu gérer le quickscope, bon, je suis pas un grand spécialiste, mais je trouve que les quickscopes, allez, ça va quoi. Donc, quand vous avez quand vous mettez un bon quick, un mec, il a aucune chance, tandis qu'au fusil à pompe, même avec la compétence des gars, vous n'êtes pas sûr de le killer, même à courte distance. Alors j'hésite à vous mettre des parties comme ça parce que allez, même si j'ai même fait des parties avec des beaux scores, mais en contrepartie je me fais quand même bien allumer. Et je ne sais pas si ça vous plairait que je voulais mettre quand même, même si allez, je peux faire j'ai fait une partie avec plus de 30 frags, mais je meurs aussi une vingtaine de fois. Donc j'ai fait un 38-20, je pense. Donc pour ma part, et en plus je joue en spécialiste, donc il n'y a aucun kill streak d'assaut là-dessus. Donc c'est une super partie et je fais vraiment des beaux enchaînements. Donc j'arrive même à avoir deux fois les atouts spécialistes au maximum. Donc je fais deux belles séries dans la partie. Et je voudrais avoir votre avis. Donc si vous pourriez, je ne sais pas, peut-être m'envoyer des messages privés ou le mettre en commentaire si vous voudriez me voir mes débuts au snipe. Et en même temps, moi, ça me donnerait une idée de ce que vous pensez de mon niveau et si ça vaut vraiment le coup que je continue ou si je dois abandonner tout de suite et ranger ça au placard et continuer avec mes armes favorites et tout ça. Alors, comme je vous le dis, votre avis m'intéresse énormément. C'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Alors comme la vidéo est finie déjà depuis un bout de temps, là je sais pas du tout quel bonus je vais vous mettre, mais je vais vous mettre des petits bonus pour pas vous mettre dans le noir. Alors je vous remercie, je vais encore en profiter pour quand même encore remercier tous mes abonnés. Une bonne centaine d'abonnés, ça fait quand même super super plaisir, donc je vous remercie encore. Et j'espère que ça va continuer parce que franchement ça fait super plaisir. Et je vais vous laisser sur ces petits bonus et... Allez, je vous fais des petits bisous et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, au passage, ma dernière vidéo, allez, juste ça, je vous dis encore juste ça et puis je quitte. Ma dernière vidéo que j'ai voulu poster sur Union Côté FR, qui était pour ma part un très bon gameplay, a plutôt plu aux gens, mais malheureusement, la chaîne Union Côté FR s'est fait hacker. Donc, elle n'existe plus, elle est devenue indisponible et j'ai essayé de suivre le créateur de la chaîne qui avait créé une chaîne juste après en expliquant qu'elle était hackée et que malheureusement, il était super déçu. Et malheureusement, lui aussi a fermé sa chaîne, donc je n'ai aucune nouvelle de Union Code FR. Donc malheureusement, ce gameplay ne passera jamais sur cette chaîne communautaire. Mais bon, je vais essayer de poster ça sur une autre chaîne. D'ailleurs, si vous avez des petits indices à me donner pour savoir la chaîne, ne me proposez pas code QG parce que code QG, à la limite, j'ai même pas envie d'essayer de poster une vidéo sur code QG tellement ça a l'air compliqué et tellement il y a d'abonnés. Donc ces mecs évidemment ne s'en sortent plus vu le nombre, à mon avis, impressionnant de vidéos qu'ils doivent recevoir. Bon allez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai quand même causé super longtemps et je vais pas vous prendre toute votre après-midi ou votre soirée sur un gameplay de Monsieur Gessoli. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt.